Salam, les Royas. Je suis très heureux d'être à Marrakech. J'ai pris l'avion pour venir ici. J'ai pris la Royal Air Maroc. C'est la première fois que je vois un pilote d'avion conduire en ayant le permis bateau. Je suis allé visiter le souk de Marrakech aussi. Ils te donnent des surnoms là-bas. Moi, c'est la première fois que quelqu'un que je ne connais pas m'appelle Gazelle. J'ai dit, ben enchanté, chasseur. Hein. C'est très étonnant comme endroit, le souk. Moi, au début, je voulais rien acheter, puis après, on m'a obligé. Ce qui fait que je suis désormais le repropriétaire de 125 cendriers, alors que je ne fume pas. Ils vendent beaucoup de choses dans le souk, d'ailleurs. Elles sont pas toutes vraies, puisque j'ai acheté une très belle paire de chaussures Adidas. J'ai un pied en 33, l'autre en 48. J'ai dit au vendeur, mais monsieur, c'est des fausses. Il m'a dit, non, mais c'est pas des vraies. Ils vendent même des choses qui n'existent pas là-bas d'ailleurs, telles que par exemple le film Titanic 2. Il y a un vendeur aussi qui m'a vendu une lampe. Il m'a dit, si tu frottes, il y a un génie qui apparaît. J'ai frotté et rien qui a apparu. J'ai dit au vendeur, mais monsieur, il est où le génie? Il m'a dit, il y a des jours où il n'est pas là. Un peu dangereux comme endroit d'ailleurs, le souk. Je me suis fait voler mon vélo là-bas. Alors que j'étais dessus. J'ai pris un taxi du coup pour rentrer du souk, dans lequel il y avait 5 places, dont 9 qui étaient occupées. Je me suis dit, bah, je vais pouvoir revendre mes cendriers. Hein. Alors je connaissais le code de la route, je connaissais pas le code de la route marocain, qui consiste en fait à choisir la limitation de vitesse que tu désires. À un moment, on a pris un rond-point, j'ai dit au chauffeur, monsieur, ça normalement c'est pas un rond-point, c'est une attraction à Disneyland. Et il m'a dit, t'inquiète gazelle, je m'en occupe. Mais ça va pas trop énervé, tu sais, je suis pas trop nerveux dans la vie, moi. Pas trop. Par exemple, je me suis jamais battu de toute ma vie, parce qu'il y a une phrase qui dit « la violence ne résout rien ». Alors je pense que la phrase exacte, c'est « ma violence ne résout rien ». J'ai fait me battre une fois, tu sais, et j'ai voulu faire comme dans les films. J'ai dit « ouais, c'est à moi que tu parles ». Il m'a dit « oui, c'est à toi que je parle ». J'ai dit « bon, bah, ok, c'était juste pour être sûr, hein, pour pas que de... »